Togo Info. Le Togo à votre portée. Le professeur a relevé un certain nombre d'informations contenues dans des rapports d'émission par l'émission togolaise, d'où on pourra dire leur crédibilité. Ensuite, Tchala est revenu sur le côté international de la chose, mais Robert aussi est revenu là-dessus. Moi, je donnerai quelques exemples. L'exemple de 2018, quand on a présenté au capital, moi j'étais le représentant de la coalition auprès de la CENICOF. Et il a parlé tout à l'heure de voter des agents de sécurité. Normalement, si on vote, on doit pouvoir les compter, non, intéresser peut-être pour qu'on sache que le jour là c'est comme ça, c'est ceux qui ont voté, etc. Mais on a transporté des urnes et le jour du vote même, on a ramené d'autres urnes. Maintenant, quand au sein de la série, nous devrions nous aussi compter en suivant les rapports qui sont arrivés, je vous assure que mais tout est fait, RPT, et c'est un, deux comme ça de l'opposition. À un moment donné, moi j'ai tapé du contre, à l'époque c'est l'ancien premier ministre, comment il s'appelle, Barroso, m'a dit qui était préfet du Golfe. Mais c'était chaud là-bas, le juge qui présidait tout ça là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on nous a relevé par rapport aux insuffisances de cette pratique-là, nous devons le prendre en considération. L'autre exemple, en 2003, on avait des gens dans les bureaux de vote, on avait les délégués, mais le procès verbal qu'on doit remplir par bureau de vote, ce n'est pas arrivé. Maintenant, on a tout fait parce qu'on a mis en pris ça, nous avons photocopié nous-mêmes pour pouvoir donner à nos représentants pour qu'au décompte, ils puissent revenir avec nous, avec ces procès verbaux, puisque c'est pour ça qu'on les a envoyés là-bas. Je suis arrivé à Boivé, le bébé qui dit tiens là. Mais on a pris mon chauffeur que j'ai envoyé, que le temps de m'en mesurer. Mais il a passé deux semaines. On l'a cherché dans tout ce domaine-là. C'est grâce à Feu Meltebourg qu'on l'a trouvé quelque part. Parce qu'on dit qu'il n'a pas l'autorisation, le papier n'est pas officiel. Mais lors de l'élection dernière, des élections dernières, nous avons le même constat. On a dû crier sur le président de Céline au point de, avant de nous autoriser, à photocopier ces procès-verbaux que nous avons dit. Alors que c'est l'administration qui devrait mettre ça à la disposition des gens. Et on dit que ce soit le membre de bureau de vote, que ce soit les délégués de mandat, eux tous doivent pouvoir avoir ça. Et donc on envoie, on dit non, on a que toi, c'est pour le président, c'est pour celui-ci, etc. Et puis, vous avez compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le tableau que l'on verra, peine là, si ces documents ne sont pas là, quel document va porter les résultats qu'on va afficher? Lequel va porter ce qu'on va envoyer à la CENI et les délégués, etc. C'est pour ça que la mutualisation de nos ressources sera importante. Si nous savons que c'est ça, et peut-être qu'on vous dit qu'il y a autre chose à dire après, peut-être ça me permettra de revenir et de donner cette précision-là. Si nous avons des candidats, un seul parti politique ne peut pas avoir des délégués efficaces partout. Il a dit. Et nous avions à chaque élection fait le constat là que les gens que nous mettons dans les bureaux de vote, comme bureau de bureau de vote, comme délégués de candidats, par endroit, il y en a de défaillants. Et il a dit, l'évaluation post-électorale que la CENI doit faire et que la CENI ne fait pas, nous-mêmes en tant que parti politique, nous ne le faisons pas. Pour en retenir des leçons et le partager parmi nous et voir comment. Si c'est que c'est fait, je vous assure que ce n'est pas quelqu'un qui viendrait nous demander de mutualiser nos énergies, surtout nos ressources en matière humaine. Et donc, je crois que c'est assez important.